À Boulbon, village provençal proche des berges du Rhône, quiconque travaille le 2 juin s'expose à la colère de Saint-Marcellin. Celles et ceux qui ont osé défier cette règle ont eu à le regretter, comme en témoignent les écrits des siècles passés. Cependant, le respect voué aux saints martyrisés en l'an 304 n'avait pas pour seule origine la crainte, mais prenait volontiers sa source dans la capacité que Saint Marcellin avait de provoquer la pluie en période de sécheresse et multiplier ainsi la récolte du raisin, ou pour protéger le village de Boulbon contre les caprices du fleuve proche. Frédéric Mistral résumait d'ailleurs cela en quelques vers, devenu depuis un célèbre dicton populaire. Saint Marcellin, bum per l'aigo, bum per l'ovin, traduisait Saint Marcellin, bon pour l'eau, bon pour le vin. Le culte de Saint Marcellin eut au fait de se répandre en France et dans plusieurs pays d'Europe, parmi lesquels la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Italie. À Boulbon, où vinrent quelques-unes des reliques de Saint Marcellin, la fête commence dès le 1er juin avec la procession des fioles, comprenant la procession des bouteilles, à laquelle faisait déjà allusion dans l'une de ses correspondances qu'il adressait à son ami primadier du Félibrige, Joseph Roumanille, l'abbé Aubert, qui fut curé de Boulbon pendant 7 années. Ce jour-là, dès 19h, les cloches sonnent à toute volée. Les villageois arrivent sur la place du village, costumés et munis d'une bouteille emplie de bon vin. Certains se montrent prévoyants, les enfants, eux, ont leur flaconnet. Monsieur le maire et le conseil municipal participent volontiers à la distribution de bouteilles contenant le précieux breuvage. C'est une fête qui est fort ancienne puisque nous avons fêté il y a une trentaine d'années le 4e centenaire. Donc on n'a pas retrouvé dans nos archives la date exacte du début de cette tradition. Mais cette tradition quand même est bien maintenue depuis. Vous avez vu le monde qu'elle entraîne et on arrive chaque année à pénétrer avec difficulté dans la chapelle. À une certaine époque, Boulbon était sous les eaux fort souvent à cause du Rhône. Il était aussi soumis aux orages de grêle et donc le Saint à l'époque a fait des miracles. En protégeant la vigne qui recouvrait quasiment tout le territoire, toute notre plaine. Et il a fait des miracles puisqu'il a protégé donc, la vigne, il a conservé l'eau, il a essayé de garder l'eau dans le Rhône, dans le fleuve, et il a donc protégé par là même la vigne et le vin. Plus tard, les reliques de Saint-Marcellin sortent de l'église Sainte-Anne et gagnent la place. Le cortège se forme naturellement. Monsieur le curé et les officiels précèdent les hommes, tandis que les femmes ferment la marche. Les fidèles entonnent un cantique dont le refrain demande au saint protecteur de veiller sur Boulbon et ses vignes, moyennant quoi il sera toujours fêté. Obéo San, per pietà regardo sur Bourbon et sur ses terrains, nosti vigno ten la gaiardo de tout temps des festeggiarans. Le cortège avance lentement, puisant sa force dans un mélange de religiosité et de tradition. Plus d'un millier de personnes se rendent ainsi jusqu'à la chapelle Saint-Marcellin, située sur un contrefort au nord du village, occupant un coin du vieux cimetière. Même s'il est difficile d'établir une datation précise, on sait qu'une partie de la chapelle fut construite avant 1175. Classée monument historique en décembre 1904, elle fut régie par les bénédictins de Sandras en Languedoc avant d'être unie au chapitre Saint-Agricole d'Avignon le 31 octobre 1456. Par la suite, Saint-Marcellin fut l'église paroissiale de Boulbon jusqu'en 1628. Elle fut enfin remplacée par l'église Sainte-Anne. Thank you.
Les fidèles parviennent enfin jusqu'à la chapelle, dont le clocher carré à quatre baies plein cintre a été élevé sur les reins de la travée de la nef. Puis, spectacle inhabituel, les hommes, après avoir franchi le portail plein cintre sans tympan et logé dans un avant-corps légèrement saillant du mur, descendent six marches et s'entassent dans la nef, composée de trois travées, qui a conservé sa couverture de dalles, de lauzes, car seule l'abside a été couverte à une certaine époque de tuiles. Une fois à l'intérieur, les participants entonnent le chant d'entrée. Pour Vensao et Catuli, Nostofe, Nostofe n'a pas falli. Quentin tutti trefuli, pour Vensao et Catuli. Comprenez, provençaux et catholiques, notre foi n'a pas failli. Nous chantons tous ensemble, provençaux et catholiques. Les femmes, quant à elles, attendent dehors, car il se dit que le beau sexe ne boit pas. Et je trouve que c'est tout à fait normal, du fait que ce sont les hommes qui ont droit. Et le vin, la viticulture viennent surtout pour le travail de tous les hommes. Nous respectons les traditions, comme il se fait depuis X temps, depuis très très longtemps. Nous sommes toujours fidèles quand même, nous restons dehors. Et nous attendons quand même par les micros, nous entendons les sermons et la bénédiction des bouteilles lorsqu'elle a lieu. C'était une fête profane autrefois, puisque c'était une fête à Bacchus, et ce sont les moines qui ont évangélisé la province et qui étaient au cloître dont dépend la chapelle de Saint-Marcellin, qui l'ont transformée en fête religieuse. Et Saint-Marcellin est pour Boulbon le patron de l'eau et du vin, puisque l'eau c'est le Rhône, donc il est censé nous protéger du Rhône. Et le vin, autrefois il y avait à Boulbon beaucoup plus de vignes que maintenant, donc c'était aussi le patron des vignerons. On est traditionnaliste à Boulbon, on conserve vivement les traditions, et on s'est posé la question de savoir pour quelles raisons les femmes n'avaient pas la possibilité de pénétrer. Et on pense qu'il s'agit... Donc tout à fait au début, les femmes avaient une place un peu moins importante dans la vie sociale, et il n'y avait que les hommes qui avaient le droit de se montrer avec une bouteille de vin à la main. Tout notre village et aquels qui nous venaient, patron du vin, un maille de l'aigle, qui garde Bourbon devenu le scampadou du rose. Le Seigneur, si qui me vous a Aimez-nous, Esprit. Aide-nous. Que ta sentiment nous assouste de tout mal. Te nous demander, Père Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Et la maille de Jésus, c'est le capital. Também, Jésus le convidèrent et mes ses disciples en accueil nos. Le célébrant invite les fidèles à la prière à la demande de Saint Marcellin, lit le prophète Isaïe et réserve un instant à la lecture des noces de Cana. Pendant que dehors, on se presse à la fenêtre donnant dans la chapelle pour tenter d'observer de plus près la cérémonie.
Les moins curieux cherchent un coin d'ombre pour entamer la conversation. Per non fare un remedi ben fazer. En aquelli che non verranno e me fè, donne la santa, tant per l'âme che per il corpo. E voici bene. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À l'intérieur vient le moment de la bénédiction des bouteilles, à la suite de laquelle Monsieur le curé invite les occasionnels paroissiens à goûter au contenu. Quand Monsieur le curé libère ses ouailles, la bonne humeur domine et le cortège se forme à nouveau pour rejoindre la place du village. Et comme on a usé sans abuser, Saint-Marcellin reste bien stable sur sa base. Ça va ? Fais un coup d'aval. Les reliques regagnent ainsi l'église Sainte-Anne et Saint-Marcellin, ainsi honoré, fertilisera les vignes et gardera l'Auronne dans son lit. À Boulbon, on aime les rassemblements. Et Boulbonnaises et Boulbonnais ne sauraient se quitter sans participer à quelques danses folkloriques. Au centre clôture cette belle fête, toutes et tous chantent, personne n'applaudit à la fin, comme il se doit à l'égard de l'hymne provençal. Oh,
Oh.